Nous y sommes en direct dans la place du village. Le défilé vient de partir. Nous sommes à Annecy. Allez, il fait presque beau maintenant. C'est plein de monde. C'est le retour des alpages. On l'a pas eu pendant 2 ans. Et c'est parti avec à la caméra, c'est Johan. Et dans un instant, vous allez voir le drapeau déjà qui arrive ici. Et derrière, le défilé, groupe folklorique et évidemment les vaches. Il y aura un très très beau spectacle. Merci d'être en direct pour ce grand moment de fin d'été, de début d'automne avec le drapeau savoyard qui arrive. Johan, ça se passe bien pour toi? Bah ouais, ça commence. Ils arrivent. Voilà. Donc la sécurité est au premier rang. Donc on va faire le défilé. On vous explique comment ça se passe. Johan, ça va être super. On va suivre tout ça. Ça fait quand même un bout de temps qu'on l'a pas fait. Bah oui, 2 ans. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a un petit peu de pluie, mais c'est pas très grave. On a 3 gouttes d'eau, mais ça arrête pas le pèlerin. Et les gens sont venus assez loin. On a vu des gens de Lyon. Et pour l'instant, eh bien, on va attendre le défilé. Des vaches, il y aura donc des vaches, il y aura des abondances, des tarines, des montbéliards, mais il y aura aussi des oies, des moutons, il y aura des ânes également. Et ça va être un bonheur. C'est la ferme à la ville, et c'est Annecy. Dans les rues, dans les vieilles rues d'Annecy, allez-moi ça. Il y a même un petit chat là-haut qui regarde à la fenêtre. On se demande là-haut, allez, tranquille là-haut le petit chat. Voilà, le drapeau qui arrive. Alors la sécurité est importante parce que c'est un peu mouillé, il faut expliquer à ceux qui nous regardent en direct. Et c'est qu'effectivement, ça peut un peu glisser, on nous l'a bien fait remarquer au démarrage. Normalement, on va saluer les équipes de Annecy Tradition avec Antoine Carré en particulier qui a fait un très très gros travail d'organisation. Et il y a beaucoup de monde et on va montrer un peu le public qui est à nos côtés ici avec les smartphones qui... On est en direct dans la place du village et dedans. C'est bien, ça arrive tout de suite. Regardez-moi ça. Formidable. Et on a la chance, l'exclusivité, il faut de monter tout ça en direct. On verra au plus près. Johan, bien sûr. On verra au plus près. Merci d'avoir vos amis qui voudraient voir ça. Et on va se mettre dessus parce que. Voilà, super Johan. Merci. Voilà. Merci, à bientôt. Voilà. Bonjour. C'est gentil. On est en direct. Voilà, on va montrer un peu le public en même temps. Là, nous sommes dans les rues d'Annecy, avec 3 gouttes d'eau, mais il y a de la musique et de l'accordéon. Et ça, c'est sympa. Il y a des enfants tout petits et un peu plus grands, évidemment. Et ils sont contents avec des yeux comme ça, évidemment. Voilà. Et le parapluie, il nous faudrait presque aujourd'hui. Mais on va s'en passer, Johan, parce que la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. Tout à fait, c'est ça. Comme ça. Voilà. Alors, il y a de l'accordéon ici. Alors, on va vous expliquer comment ça va se passer. On va montrer un peu les à côté, mais aussi, bien sûr, le défilé lui-même. Là, on est un peu devant parce qu'on peut lire. Vous voyez, ça applaudit, vous voyez. Ça, c'est un... Voilà. Et les enfants sont là aussi. Il y a les restaurants qui sont ouverts. Ça, c'est formidable. Ça, c'est sympa. Et il y a beaucoup de monde, hein. Alors, on va compter les gens, non? Oh, bah non, 100 000, allez. On dit 80, 100 000, on ne sait pas trop, mais il y aura du monde. Donc, le défilé est ouvert par les porte-drapeaux savoyards. Rappel, c'est une fête traditionnelle. Et c'est une fête qui remonte à déjà très longtemps. Bonjour, les gens, descendez des alpages, je t'en dirai dans la place du village, ça passe bien? Impeccable. On vous laisse arriver, attention, ça arrive. A tout de suite. Voilà. Population nombreuse venue de loin. Tout se passe bien et tout se passera bien évidemment. Antoine à mes côtés.
Antoine, on peut dire que l'organisation est bien nickel, ça se passe bien. Oui, on a juste un petit problème, on n'a pas eu l'autorisation pour les oies à cause de grippe aviaire. Ah ben il faut le dire, c'est important, mais il y aura tout le reste, c'est important. Il y a tout le reste. Bravo à toutes les équipes, 26 traditions, il faut le dire, parce que vous avez fait un boulot. On en reparle l'année prochaine. 5 ans, Antoine. Avec vous. Ciao. Dis donc, merci Antoine, à bientôt. Antoine Carré, vice-président de l'association Annecy Tradition qui a mobilisé ses troupes, qui a fait un énorme travail pour réussir, comme chaque année d'ailleurs, ça marche super bien, cette descente des alpages dans les rues d'Annecy. Hein. Tu vois Johan, là on est vraiment dans les rues d'Annecy. Ça crachouille un petit peu. Ouais. Attention au son, ça crachouille, donc peut-être pas parler trop vite. Ouais. Et parler un petit peu plus de temps, c'est possible. Donc là on va changer de direction. Ah, on va passer, on est rue Sainte-Claire, et on va aller par là-bas, et puis après on va attendre un petit peu Johan là-bas, ah, que tout se passe bien. Quand tu es habitué, quand tu seras au virage de Sainte-Claire. On va donner un petit point de vue. 5000, à d'accord, mon avis, hein. On va essayer de regarder ça, ouais. Mais ça va être énorme. Hein. Merci Antoine. Voilà, faire un petit plan de la foule qui est ici encore. Voilà, super. Hé, hey. Ah comment tu vas dis donc. Bonjour, ça va bien, bonjour, bon ben c'est bien d'être là, ouais. Vous êtes bien placé, bonjour, 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 c'est Jean-Noël, elles arrivent les vaches, exactement, on est à Valouria il n'y a pas longtemps, on va saluer également la buvette du marché, la buvette du marché qu'on va saluer, puisque... ils sont là, il y a ambiance là-bas dedans, il y a de l'ambiance, c'est super sympa. Là, il y a un joli virage, on va se mettre par là-bas. Voilà, il y a du monde un peu partout là-bas, jusque là-bas. C'est super sympa. Voilà, température idéale, 18 degrés, c'est vraiment bien. Là, ça se passe super bien. Bonjour, elles arrivent. Vous êtes là pour ça? Vous on est arrivé d'où? De Marseille. Des Marseillais venus ici, eh bien c'est bien. Par hasard. Par hasard. On était venus en week-end. Mais on ne savait pas qu'il y avait là. Et c'est Orléans. Et vous êtes Dieppe, dites donc, Johan, on tient ici la France entière présente à la descente des Alpages. Marseille, Dieppe, Orléans et puis. Annecy. Oh, alors là, vous venez pas bien loin, vous. Vous habitez pas là-haut quand même. Saint-Michel. Oh, mais dites donc, on va pas le dire. Mais vous êtes là aussi, c'est sympa. Ben voilà. On attend, on attend. Ils arrivent tout de suite. Hein. Ça arrive. C'est comme le Tour de France. Hein. Ouais, bah. Voilà. On est pas sûr. Ah, merci beaucoup. On fait des motards. C'est très bien. À bientôt, bonne fête. À bientôt. Oui, merci. Profitez bien. Voilà. C'est pas que les liaisons sont toujours bonnes, Johan. Bah oui, pour l'instant. Merci pour les étoiles qui nous ont envoyées. Ça, vous allez voir tout le cortège. Là, on est devant pour l'instant. On défile avec le public à droite à gauche. Et puis tout à l'heure, on verra donc l'ensemble des animaux. On rappelle, il y aura les vaches, il n'y aura pas les oies aujourd'hui, mais il y aura les moutons également, il y aura les ânes également. Et on est vraiment sur une fête exceptionnelle qui est une dimension désormais, on peut dire, internationale. Vous arrivez d'où? C'est nous. Eh bien, dites donc, les voisins sont là parmi nous. On est en direct dans la place du village. Ouais, c'est super. Et vous y venez régulièrement ici? Bah tout le temps. Eh ben, c'est bien d'être fidèle. Eh ben, merci d'être fidèle à ces grands rendez-vous. Merci. On va continuer notre découverte des rues d'Annecy. Vous voyez, c'est pas toujours habituel de les voir comme ça, ces rues qui sont blindées de monde. Et puis, il y a une route qui est pour l'instant propre. Il y aura quelques bouses ensuite, mais ça, c'est pas grave. Il y aura le nettoyage qui va se faire et ça se passe comme ça. C'est le retour des alpages. Les vaches qui descendent de la... Et ça, c'est intéressant, Johan. Oui, c'est la vrai. Fin d'été. Il faut rappeler que c'est l'automne. Les vaches. Et c'est souvent le moment où les gens vont à la ville, comme on dit. Ouais, c'est ça. Faire des courses pour l'hiver. C'est donc ça. Donc on a fait de ce rendez-vous une fête, parce que Antoine, c'est une fête. Non, tu crois? C'est magnifique. On a vu les accordéonistes, tous les groupes, et ça vient de tout le sillon alpin. C'est magnifique. Ben, un grand bravo, on va dans un instant voir effectivement tout le défilé. Regardez-moi ça, il y a le bon pain campagnard qui est par là-bas. Là à gauche, les bonnettes, mon ami. Ah, les bonnettes, ça c'est... Tiens, on va faire un plan sur les bonnettes puisqu'on a encore un peu d'avance sur le peloton. Les bonnettes en direct, ben dites donc. Bonjour, elle est en direct dans la place du village. Ben, regardez-moi ça, montrez-moi une bonnette là qui... Là, elle cuise. Oh, notre ami. Elle est bien cuite. Quand vous serez en face de Notre-Dame, je fais sonner.
Merci mesdames, vous êtes désolé parce que... T'as ton récepteur, puis tu prends le tien, comme ça on change. Fifi qui m'a envoyé, qui a marqué un message. Heureusement qu'il y a Fifi. Hein. Je connais plus le son là. Donc je vais prendre. Voilà, ça c'est bon, je vais remonter un tout petit peu. On est de l'avance, c'est bon. On est de l'avance. Ouais, ouais, ben c'est bien, parce qu'on vient de le voir aussi. Ah bah voilà. Ça va, okay. Oh, il y a assez de monde pour nous le dire là, c'est bon. Coup de retour, ben, merci en tout cas, ben, c'est sympa, tu me suis sur le direct. Ah voilà. Et ben on va vous filmer. Vous aurez gagné ça. Voilà, ben, écoutez, on a retrouvé le son. On a retrouvé le son, Johan, et on va saluer ce monsieur qui avait le direct. Il est présent, mais en plus, il regarde sur la place du village. Tout à fait. Eh bien, grand, vous arrivez d'où? Vous habitez où? Dans le Loiret, et sur Aussois aussi. Et 45 et Aussois 73, on voilà. Connaît bien là-haut. Bonne Val, eh bien, merci, bonne Val, on connaît très bien super. Là-haut, la Maurienne. Tout à fait. Ben, c'est super sympa. Eh bien, bonne fête, bon défilé, ils arrivent. Bon courage à vous. Merci beaucoup. On pense que la liaison est revenue, Johan, c'est ça? Ça va redémarrer. Merci encore, à bientôt. Et voilà. Ils arrivent dans 2 minutes. Ça va arriver. Dis donc, alors là, le son est revenu, mais le béret est revenu aussi. Oui, exactement. Et ça, c'est le beau. Le béret français. Mais le vrai béret français, celui qui protège de la pluie, de la poussière. Exactement. Vous habitez où? En Alsace. Et les Alsaciens ont des bérets comme ça? Bien sûr que vous oui. Vous pensez qu'il y avait que les Savoyards, nous. Mais les Alsaciens, ce sont des Français aussi. Mais c'est vrai aussi, il a raison. Et nous, on aime les couvre-chefs comme ça, les chapeaux à la marque Vera, encore les bérets comme ça, parce que le 27e BCA porte un béret un peu comme ça. Voilà, exactement. Voilà. L'Alsace, de quel coin d'Alsace? Vous connaissez quoi? Kaisersberg, le... Colmar. Voilà, Colmar. Münster. Exactement. Voilà. On a nos clichés, nous, hein? Exactement. Et puis l'accent, la France, les accents qu'on aime. Exactement, et heureusement que vous êtes là pour les faire vivre et pour les montrer, ces accents. Mais c'est gentil, c'est ce qu'on fait tous les jours dans exactement, la place du village. Exactement, mais je sais bien. C'est ce qu'on regarde. Mais ils connaissent la place du village. Écoutez, on pourrait... Mais on ne peut plus regarder, nous. Alors, on est sur les réseaux sociaux, les Facebook, ouais. YouTube et compagnie. Ah non, ah non. Ouais. On voilà. Est en direct. Ah ben, on regardera là-dessus. Regardez-y quand même. Oui. Et ben... Parce que vous êtes super sympa. On va faire un grand coucou à nos amis alsaciens. Parce qu'ils sont des frères pour nous aussi. Exactement. Vous voyez. Merci. Des montagnards. Nous sommes des montagnards parce que nous, on est sur le montant des Vosges. Et dis donc, mais quel coin exactement alors? Frélan, ça vous dit oui. Quelque chose? Frélan, col du bonhomme. Le col du bonhomme. Voilà. Et ben, c'est dans. Et ben, on a le même esprit des montagnards. La France des montagnes, la France des campagnes aujourd'hui ici à Annecy. Merci à vous, Alsaciens. À tout bientôt. Merci. Arrive pas. Regardez-moi ça, ça c'est formidable. Les Alsaciens, parmi nous aujourd'hui. Johan, je pense que c'est revenu le direct avec le son. On est désolé pour le son, hein. On est un peu désolé. Alors, vous explique, si vous n'avez pas entendu le son, on va passer dans un instant en revue les animaux. On verra. Groupe folklorique, nous sommes juste devant le cortège et on va laisser Johan, on va laisser défiler un instant. La sécurité nous demande de pointer nos deniers un petit peu. Beaucoup de monde ici, on arrive sur la rue Jean-Jacques Rousseau et on va dans un instant. Alors là, il y a du monde là-bas. Hein, Johan, il y a du monde. Hein. C'est bon, ça marche. Ah ben, c'est bien, désolé pour les petits problèmes de son, vous voyez. Il faut être deux avec Johan. Il faut bien, Johan. C'est les aléas du direct. Bonjour, dites donc. Ça arrive, hein? Ah ben, on a hâte. Ouais. Eh ben, dans 2 minutes, ça va arriver, même pas. Et vous allez voir, plein les yeux. Ouais! Super. Vous voyez, ben, c'est sympa, les gens qui sont là, qui connaissent la place du village pour partie, évidemment, mais qui aiment l'esprit, cet esprit de la campagne, cet esprit de la montagne, cet esprit simple qu'on défend tous les jours. Moi, ça. Voilà, merci encore pour les étoiles. Super sympa. Voilà. Johan, on va s'installer un peu plus loin. Ah, ça va être lourd. Hein. Vous allez bien? Bon, super, on est en direct dans la place du village. On fait le direct. À bientôt. Salut! Voilà, bah c'est aussi les restaurateurs qui sont ouverts aujourd'hui et qui font le plein, évidemment, hein, puisque là, on est chez France. Si vous connaissez Annecy, et on passe dans les rues d'Annecy toujours.
Le troupeau est imposant, les vaches pèsent 600 kilos, nous dit-on. Ça veut dire... Comment tu vas? Très bien, toi, impeccable. Bon défilé, Guillaume, bon défilé. Super. Voilà, on rappelle dans les rues d'Annecy. Théo, ben écoutez, ça s'est arrêté de pleuvoir. Nouvelle, parce que finalement... Il y a plus de... Le son est revenu. Hein. On a changé de micro. Vous voyez ? Est-ce que vous nous regardiez, c'est ça ? Ben voilà, oui. Ben oui. Vous nous regardiez en direct, le son est revenu. Alors regardez plutôt en direct, direct. En direct, vous habitez où ? En Ardèche. Quel coin ? Vers Annonay. Eh bien, dis donc, on salue nos amis ardéchois, cœur fidèle. On est venu à 11. Ils sont où les 11 ? Ils sont par là les 11 ? Les Ardéchois sont où ? Les Ardéchois sont là. Eh bien, écoutez, vous aurez la prime. Vous aurez le pompon de la présence. Et on ira un jour chez vous, en Ardèche. On aime bien cette montagne, un peu sauvage, mais tellement belle. Venez à la fête de la Montgolfière. Et c'est quand exactement ? Premier week-end de juin. Voilà. Eh bien, écoutez, Johan, on a enregistré ça, premier week-end de juin, et c'est Annonay. Annonay, c'est ça. On rappelle que c'est là-bas que... Ça a été inventé complètement par les frères de Montgolfier. Les frères Montgolfier. Ben écoutez, on fait de l'histoire dans ce défilé du jour, en direct dans la place du village. Eh ben, bon défilé à tout le monde et à tous les amis ardéchois qui nous regardent. Les ardéchois, dites-donc, ils sont là, ils sont fidèles, hein, on peut le dire. Ça, elle est facile, celle-là. Ardéchois, cœur fidèle. Oui, tout à fait. Et puis, vous aimez la montagne. Pourtant que la montagne est belle. Mais oui, parce que Jean Ferrat, à Entraigues-sur-Volanne, a vécu en Ardèche, Jean Ferrat. Et la montagne, c'est ça aussi, c'est ça qui me dit. Eh bien, dites donc, on va rendre aussi un petit hommage à Jean Ferrat au passage. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Eh bien, écoutez, c'était un cadeau fait par les Ardéchois ici, elles sont des alpages. Un grand merci, bravo. Vous trouverez sur le direct, hein, la place du village. Eh ben c'est formidable. Écoutez, merci encore à vous. Ah, c'est super sympa, dis donc. Ça, c'est vachement sympa. On va un tout petit peu avancer, Johan, et puis on va se positionner pour pouvoir... On explique à notre public qui nous regarde, évidemment. Johan, ça va bien pour toi ? Oui, ça va mieux, déjà. Ça va pas mal. Et donc là, il y a toujours beaucoup de monde. On voit bien, avec là-bas, on va arriver. Ici, toujours dans cette des rues d'Annecy, où il y a beaucoup de monde. Bonjour, bonjour. Dans la boîte. Allez donc, vous n'avez pas froid alors vous? Oh, non français, we're from Texas. Il ne parle pas français. Ben on dirait un peu Carlos, le chanteur de chez nous. Hein, oui. Pas, non. Pas... No français. Vous arrivez d'où? Et d'où? D'où? Do you come? From? Texas. La Saxe? Texas. Allemand? Alamo. Ah, yeah. Allez donc, les Allemands sont là. Remember the Alamo. Eh ben, bienvenue chez nous. Et bonne fête. Guten Tag. Ça, ils comprennent, là. Merci à vous. Vous voyez, ça, c'est international. Hein. Ça avait dit, hein. C'est vraiment international. C'est-à-dire qu'on vient d'Allemagne, on vient de la France, évidemment, mais on vient également de différentes régions de France et du monde. Alors, restez avec nous, vous êtes nombreux de nous regarder en direct. Dans un instant, on va se positionner avec Johan. On va voir... Hein, tu me dis, Johan, à quel moment ça on peut le faire. Pour ne pas rater le défilé, on laissera passer le défilé. On va le laisser un peu maintenant, d'ailleurs. Hein, tiens, Johan, on va se mettre par ici. Hein, là, il y a un petit peu de place. On va attendre un petit peu par ici. Salut. Alors, on s'arrête 2 minutes là, Johan. Là, on va laisser passer. Non, non, mais on ne va pas vous cacher la vue, surtout. Ben non, parce qu'on est déjà grand, puis Johan, il est un petit peu large aussi. Hein. Ouais, aussi. Hein. C'est la fondue, ça. C'est la fondue, ça. C'est la fondue savoyarde. Vous arrivez d'où ? Il est plus grand que vous, Chambéry. Ah ben, vous êtes des Chambériens. Ah bon, ben oui. On est rassurés. On plaisante. On sait que les gens du pays viennent nombreux ici. Alors, on explique le cortège. On va avoir une petite princesse qui va arriver, qui s'appelle Talia. Et cette petite Talia ouvre le cortège avec le drapeau de Savoie. Vous voyez, c'est presque religieux. Ah, c'est bien, c'est presque religieux comme moment, là. Avec le drapeau, on s'incline. Hein. Il y a un peu trop de monde, presque. Quand même. On va pas se refuser ça. Voilà, super. Il est beau, le drapeau. Bonjour, bonjour. Je vous présente la duchesse. La duchesse de Savoie est à nos côtés. Talia, bonjour, Talia. Comment ça se passe, Talia? Bien. Voilà, elle ouvre le bal. Vous voyez, il y a plein de monde autour. Elle est photographiée.
Tu as quel âge, Flavia ? 8 ans. Elle a 8 ans, eh ben, c'est formidable. On laisse avancer. Voilà, formidable. Ici, alors le petit poney, magnifique aussi. Très poney, hein, très bien. Il vient d'où, ce petit poney ? Ah, je sais pas. Il vient de Puy-les-Nonains, vers Rouen et Vichy. Non, il n'est pas de la Savoie, de la Haute-Savoie. Non, pas du tout. Il est plus d'origine de l'Auvergne. Voilà, un poney auvergnat, on le voit ici, on va le laisser passer, merci. Bon défilé à vous. Une petite roulotte qui est magnifique, ici on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ben, il n'y a rien, à vrai dire. Hein. On va laisser avancer un tout petit peu ça, voilà. Alors toujours, alors là, magnifique, hein, c'est quelle variété ça ? C'est des favelas. Des favelas ? Oui. Ils viennent... Mais, et le propriétaire, c'est le monsieur qui a le chapeau, il en parlera. Ben merci bien, ben merci bien, ben, bon défilé. Ben, on a compris, ils sont magnifiques en tout cas, ils sont superbes. Ils sont très jolis, ces petits chevaux miniatures. C'est vous le propriétaire ? Non, c'est monsieur qui a le chapeau. D'accord, on va aller le voir. Vous allez le voir, celui qui a la tâche okay. Noire. Très bien, merci. Vous voyez devant le cortège, on dit bien ici, les petits poneys qui sont là, magnifiques, avec les petits-enfants. Regardez-moi ça, on va voir ces petits-enfants. Comment ça se passe ? Bien. T'es content, hein ? Oui. C'est pas rien d'être là, hein ? Fais un petit peu coucou aux gens, tiens, ils vont te regarder les gens, là. Voilà, faites coucou aux gens, faites coucou. Faites coucou là où ils vous regardent, là où il y a plein de monde. C'est comme la reine d'Angleterre, hein. Enfin, le roi, pardon. Ça fait. Maintenant, hein. Il y a une tenue particulière. Non. Magnifique. On va laisser avancer le... Pour pas déranger le... Oh, ouais. Voilà. Donc c'est vous le propriétaire des petits poneys. Non, 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 pas moi. Ah, c'est pas vous. Allez, ben, on a du mal à le trouver. Bah, en tout cas, bravo quand même de défiler. Hein. Bonjour. Ah, c'est le patron. Alors, on cherchait à savoir un peu plus. Nous sommes en direct dans la place du village. C'est quoi ces petits poneys ? C'est du Farabella. C'est un cheval qui ne doit pas dépasser, pour rester dans la norme du Farabella, 89 cm au garrot. Et d'accord. Donc, vous le mettez un peu en... Eh bien non, normalement, la race, comme elle est convenue, il doit rester dans un gabarit du cheval miniature. D'accord. Avec des pattes très fines. C'est un cheval qui est très affectueux. Absolument, tiens, on peut même le caresser comme ça. Donc du coup, il est pour les enfants celui-là. Oui, voilà, il s'est réservé pour les enfants et puis surtout pour de la thérapie aux enfants. Tout ça, c'est important de le dire, vous voyez, les enfants, les animaux, ça c'est important de le dire. Vous arrivez d'où ? Eh bien, on vient entre Rouen et Vichy. Très bien. Voilà. Eh bien, on salue nos amis qui sont par là-bas. Merci. Merci de votre accueil. Merci à vous. C'est sympathique. Annecy, c'est un plaisir de venir. Ouais, en 2000. Regardez-moi ça, les rues ici. Allez donc. Bon, dommage, le soleil n'est pas là, mais il pleut plus. Allez, vous n'avez pas foiré comme ça, vous avez. Non, il n'y a pas vrai. Hein. Il ne pleut plus. Merci, bon défilé surtout. Hein. Je vous souhaite bonne journée et merci de votre accueil. Hein. Merci, très bien. Bravo, continuez comme ça. Avec, on voit ces petits poneys magnifiques. On dit bien pour les enfants, évidemment. Et puis surtout, ça fait partie de la vie, les animaux, les enfants, ça va ensemble. Oui, ouais, ensemble, c'est bien fort. Ouais. Tout le monde, oui. Allez, on va attendre la suite du défilé. Il y a même des gens qui sont carrément chez elles. Ça va bien ? Vous êtes carrément chez vous, là ? Et c'est formidable. Non, mais... Alors, on est sur la place du village, YouTube, Facebook. On est en direct. Et on... Déjà, 2019, j'étais... Ah, bah, vous êtes déjà rencontrés, alors. Super. Bah, continuez, super. Très bien. Bon numéro. Elle va faire un petit. Ah bah oui, celle-ci. Au mois de décembre. Fin décembre, c'est prévu. C'était pour Noël, ça serait bien. Pour le jour de l'an, c'est un beau cadeau, en plus de ça. Mais c'est elle qui décide. C'est elle qui défile, ouais. Voilà. Il y en a un ou deux ? Non, en principe, un. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Les ânes, cette fois-ci, Johan. Toujours en dire dans la place du village. Merci pour les étoiles. Laissez passer un petit peu. Il vient d'où notre ami accordéoniste ? D'Annecy. Eh bien bravo, eh bien voilà, l'accordéon, la fête, le défilé, mais quel bonheur. Oui vraiment, c'est magnifique. Et,
T'as joué quoi comme morceau ici? Là, j'ai joué Montagne d'Italie. Montagne d'Italie. Bon, on est en Savoie, mais c'est pareil. L'acteur Denis Anessien, ici ton prénom, c'est quoi ton prénom? Comment? Ton prénom? Axel. Guerra. Oh, Axel, c'est bien. Jeune, l'acteur Denis ici. Bonjour. À bientôt, bon défilé à toi. Bon défilé. Merci. Voilà. Attention aux vaches, elles arrivent. On va se caler. Johan, on va se caler ici pour laisser passer les vaches. Ça vient par là. Johan, comme ça. Attention, Johan, voilà. On laisse passer. Donc là, c'est de la Montbéliard, c'est ça, hein, on est d'accord. On va aller voir nos amis. Très nombreux à photographier, dites donc. Quel succès. Merci. Encore. Alors, dis donc, ça, c'est de la Montbéliard. C'est quoi la race? Montbéliard. Montbéliard, dis donc, c'est bien ça. Elles viennent d'où, là? De Seynaud. De Seynaud. C'est ça, toi le patron? Pardon? Toi, le patron. C'est moi le patron, ouais. Les gens, le gars, Verglos. On les salue. Le monde agricole, on va laisser passer parce qu'on part tarder le mouvement, évidemment. Voilà, allez-y. On va laisser passer comme ça, voilà, super. Voilà, toujours aussi magnifique. Hein. Même nous, on est émus. Elle est belle, hein. Ça va, Johan, pour l'instant? Bah, ouais, nickel. Ça passe bien. Un petit mot, tu vois là. Les Allobroges chantaient dans les rues ici avec un drapeau magnifique. Alors on va savoir comment s'appelle cette congrégation qui nous accueille ici. Non, Allemagne. Allemand. Ah ben c'est les Allemands, c'est ça. Parlez-vous français. Pas de souci. Ben écoutez, on va aller saluer nos amis allemands qui sont là et qui fait bien bouger le drapeau en tout cas ici. Et alors je pense que ça doit être la Saxe. Ouais. C'est... Je ne connais pas tout l'allemand. Voilà. On va faire un petit plan à contre-champ, Johan, là-bas derrière. On voit plein de monde, là, attention à toi. Comme ça, voilà. Sur les escaliers ici, il y a plein de monde également. On voit les vaches ici, le défilé ici. Bonjour. Ça roule, ouais, ça va pas mal. Et quelle journée extraordinaire. Oui, quelle journée extraordinaire. C'est super, c'est super. Voilà, on va laisser défiler le petit groupe ici. On va voir. Il y a pas mal de réseaux ici, Johan. Ça passe, hein. Nickel. Désolé, hein, on était un petit peu embarqué dans le défilé. Il y a même une bouse par terre ici. Voilà. Donc vous êtes de quelle région? Allemagne, c'est ça? Vous êtes allemand? C'est allemand, ils sont tous allemands, Johan. Et notre allemand, il est pas terrible. Il va peut-être nous jouer un petit coup, d'accord? Non mais, et vous rigolez, mais... Bon... Est-ce que vous parlez allemand? Parce qu'on n'y arrive pas, nous. Non, pas du tout. On a dit la vite Mont Blanc. Oui, mais on ne parle pas allemand avec ces petits jeunes. Mais on va les saluer quand même, parce que l'Europe, on est tous des frères. Ouais, merci. Ouais. Un petit coup d'accordéon, c'est parti. Accordéon, oui. Accordéon, super. Rossingen. Rossingen, bien sûr. Oui, la ville jumelée avec Annecy. Hein. Oui. Avec non, pas Annecy, avec Cluse. Avec Cluse. Alors, Rossingen, c'est Cluse, attention. Pas se tromper, hein. Un petit coup d'accordéon. On est en direct. Thank you.
Vive le groupe de Trossingen, juré avec plus parmi nous aujourd'hui. Bon défilé, bravo encore hein, pour votre, bah, votre tenue, votre talent. C'est ça au fond, l'amitié entre les peuples, Johan. Ça rapproche un peu tout le monde, cette grande fête des alpages ici. La descente des alpages du jour en direct. Nous sommes, on ne sait même plus dire où on est exactement ici, puisqu'on est perdu ici. Et voilà, avec du coup d'un autre balcon là-haut. Toujours autant de monde, un balcon. Merci, voilà. Un petit peu de cachouillé. Bravo, du coup. Cachouillé. Alors, vous êtes. Quel groupe ? J'ai un petit tradition. Alors, bravo à vous. Bravo aux équipes. Oui, ouais, ça va. C'est une grosse journée. Hein. C'est une grosse journée. Mais ça se passe plutôt bien. Mais regardez, les gens sourient. Regardez, souriez, messieurs, dames. Ouais. C'est pas beau. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est le meilleur, la meilleure récompense. Absolument, une petite tradition. On dit bien, vous êtes nombreux à participer aujourd'hui en tant que bénévole. Hein. Oui, bien sûr. Vous êtes combien à peu près ? On n'y a pas dit. Avec... 70. 70. Et le groupe derrière, c'est le groupe qui est avec vous. Daïs. Daïs. Le groupe Daïs. Le groupe Daïs, merci en tout cas, c'est tradition, le groupe Daïs, on connaissait. Alors, il faut me dire, comment ça s'appelle ? Loup-tioupa. Il faut traduire pour ceux qui nous écoutent. Parce que les petits pas. Les petits pas Daïs. Les petits pas. La place du village parmi vous aujourd'hui. Alors, on connaissait le bon vin blanc à Daïs, évidemment, mais on découvre un peu plus le groupe folklorique. Voilà, exactement. C'est un groupe qui a depuis 3-4 ans, qui s'est reformé à Daïs, quoi. Et donc on a une quinzaine. Très bien. Et voilà, on anime les fêtes de village. Eh bien bravo, parce qu'on est à vos côtés. Merci. Dans la place du village, on défend toujours la tradition. Vous avez une magnifique tenue. Et on rappelle le nom. Loup-tioupa. Loup-tioupa, mais c'est facile à retenir. Loup-tioupa, ça veut dire les petits pas d'Aïs. C'est pas compliqué. Tout à fait. Bravo en tout cas à vous. Et on vous laisse défiler. Hein. Bravo, c'est super. On va vous voir. J'espère que le son est revenu. Dites-nous si le son est revenu en qualité. On rappelle que nous sommes ici toujours dans les rues d'Annecy. Nous sommes à la rue du collège Chapuisien. Vous voyez, on ne sait même plus où on est à Annecy. Il y a deux mondes. C'est un peu la montagne, la campagne, la ville. Et c'est un bonheur. Voilà. Et voilà un tracteur qui arrive. Loup-tioupa d'Aïs. Bah, dites donc. Loup-tioupa d'Aïs. Voilà. Alain, c'est lui président, non ? Non, pas du tout. C'est notre photographe. Ah, c'est le photographe. Il y a foin, attention. Il y a foin. Très bien. Bravo, dis donc. Ça va, ça se passe bien la journée ? Oh, ben écoutez, c'est parfait. Hein. Il faisait grand beau à 12 000 ce matin. Maintenant, le ciel bleu arrive sur la ville d'Annecy. Nous sommes très contents d'être avec nos amis jumelés de Trossingen. Exactement, on les a vus devant voir. Vous. Hein, ça fait 20 ans qu'on est avec eux, là. Et on est très contents d'être ici avec vous. Eh ben, merci d'être là avec nous dans ce beau moment de rassemblement, de rapprochement des gens. Les peuples plus que jamais amis pour la paix. Absolument, et j'ai un message écologique à vous transmettre. Alors on y va. Hein, le véhicule qui est derrière là, ouais. Eh ben, alors lui l'an prochain il faut absolument qu'il soit électrique, soit tiré par des poneys. Eh ben on y est. Ça il faut le dire. Hein. L'an prochain les poneys ou l'électricité, les temps changent partout. Les temps changent, absolument. Si ton prénom c'est ton prénom. Hein, moi c'est Claude. Merci Claude d'avoir témoigné. Le général de chasseurs alpins, tu sais, de l'école. Exactement, voilà. Exactement Claude. Et oui. Eh bien bravo, merci de nous le rappeler, c'est super sympa. Allez, à tout bientôt. Merci, à bientôt, on laisse rattraper le groupe Arvipa. Voilà, donc on a bien compris, Johan, il y a un petit message écolo. Ah bah, c'est tendance. Là, c'est des lapins qui vont arriver. Ouais. On va ici. Sur la gauche, à droite. On va déranger. Attention, là, comme ça, je vais monter un petit peu. Voilà, toujours le beau temps, qui revient d'ailleurs, hein. Un beau tracteur à l'ancienne. Il va bien celui-là. Ouais, ça va. Il fait un petit peu de bruit. Ben, je sais bien. Mais... Vas-y, merci en tout cas. Voilà, super. Alors, on va montrer les lapins qui sont dedans. Et saluer les amis du vieux Sénou, Johan. Ah oui. C'est une très belle fête. Eh oui, regardez les amis. Bien. Hop. Avec les lapins qui sont tout trempés. Tiens, on va faire un petit plan sur les lapins. Voilà. On est poney ici. Bon, et magnifique défilé. Merci. C'est formidable. Ça va bien. Ouais, ça va, merci. Ça va faire un bon moment.
Ah, de m'arrêter deux minutes, ouais. Ah, dis-moi, ta présence ici pour montrer les animaux, c'est ça? Voilà, pour montrer les animaux, montrer ce qu'on, le plaisir que, qu'on a d'avoir des animaux. Très bien, tu viens d'où, toi? Le Céno. Céno. Les amis du vieux Céno. Très bien, on a vu la pancarte et on les salue. On fait une grande fête en septembre, on ira la prochaine fois, promis cette fois-ci. Pas de soucis. En tout cas, belle journée, merci. Bon défilé. Et faites beau sourire, c'est magnifique. Et puis une petite caresse à celui-là qui s'appelle comment? Yakari. Yakari. Et lui là-bas. Alors, Johan, celui-là, là. Faut le montrer au public, celui-là. Il est magnifique, celui-là. Tiens, montrez-le. Celui-là, il n'est pas vu, celui-là. Prenez-le en photo. Tiens, voilà. Prenez-moi ça en photo, il est magnifique, celui-là. Il est beau, hein? Et bien, on vous le donne. Comment il s'appelle? Milka. Milka. Putain, Milka. Ok, super. Eh bien, bravo. Belle image, en tout cas, entre les enfants, les animaux, et puis le bien-être animal. C'est important de le dire aussi. Oui, c'est important de le dire. Super. Hein? Ça, c'est de la peau de mouton? Ouais. C'est de la vraie? Oui. Ah, ils vont pas être contents, les écolos. Hein? Ouais, je sais. C'est bien. Ah, c'est bien, les enfants. Super. Mais écoutez, tiens, il y a une danse qui s'opère là-bas avec le groupe de Trossingen. Johan, j'espère que ça va pour toi encore. Bah ouais, ça va. Oh, le son merde un peu peu. Hein, mais ça bug. Il y a un problème de son. Alors bon, on va surtout montrer les images. Ça dépend des moments. Ouais. Voilà. Dis donc, c'est un quoi ce tracteur? C'est un Steer, 30 chevaux. De, je veux dire, 1960. Ouais, il a. Les années 55-60. Bien encore. Mais il était repeint. C'est le tien? Non, il est à l'association. C'est nous. Bravo, gardez bien ces belles choses comme ça. La tradition, merci encore, super. Voilà, ah ben, on va saluer amicalement Jean-Luc Rigaud, présent ici, qu'on a vu souvent, et qui est un vrai défenseur de la tradition, ah, du patrimoine. Tout à fait, tout à fait. Le retour des alpages, le retour du retour, ça c'est le retour du retour. Moi j'ai eu l'occasion bien sûr d'y participer de longues fois comme maire, mais aujourd'hui bah, j'y suis comme citoyen d'Annecy, ça me fait plaisir. Mais c'est magnifique, il y a eu un peu l'ambiance qu'il y a ici, c'est le rapprochement, puis on voit les peuples qui se rapprochent à Trossingen ici avec les gens. Exactement, et ce autour des traditions savoyardes, et ça, ça nous ravit. Voilà, Annecy Tradition, retour des alpages, on va encore saluer les équipes autour d'Antoine Carré en particulier, qui ont fait un gros boulot à chaque fois. Non, il faut les saluer parce que c'est pas simple aujourd'hui avec les règles sanitaires, avec l'ensemble des suggestions et puis les conditions de sécurité toujours exigeantes. Bravo à l'organisation, bravo à tous. Merci encore, je te souhaite bientôt bon défilé en tout cas. Merci, à bientôt. On va donc maintenant laisser passer tranquillement le tracteur et puis on va y retrouver, on va retrouver la... Ça se passe bien pour vous? Ça va, c'est beau, c'est beau. D'accord. On est venu du Nord. Alors, des ch'tis du Nord. Mais de quel coin du Nord? De Lille. Ben bravo. À côté de Belgique, une fois. Eh ben une fois à Belgique. Toulouse. Là-bas où il n'y a plus de carburant, c'est ça? Toulouse. Et vous, Toulouse? Oui. Toulouse, la ville... Antibes. Regardez-moi ça, c'est toute la France qui est là aujourd'hui. Oui, vive la Antibes. France. France est belle. Eh ben oui. Rassemblée autour. Et vive cette belle tradition. Mais voilà, mais écoutez, on est avec vous. La place du village, c'est ça. Bravo en tout cas de l'avoir dit. Et bravo d'être venu. Ah bah, oui, écoutez. Avec grand plaisir. Et on ira vous voir aussi un jour chez vous. Voilà, super. Voilà, monsieur le maire avec la calèche présidentielle. Tiens, Yvan, viens par ici. On va aller voir. On est en direct dans la place du village. Bien ça, bien dis donc. Monsieur le maire, on est en direct dans la place du village, debout quand même, mais quelle journée magnifique pour Annecy, on peut avancer si... C'est superbe, vous pouvez avancer si vous voulez. Écoutez, c'est magnifique, ça fait 2 ans qu'on attend ça, donc enfin, le retour des alpages est de retour, il y a un monde incroyable, on est très heureux, et je salue tout le monde à la télé, venez parce que ça va être une fête magnifique. Et puis des vraies valeurs, dis donc, celle de la nature, on voit les chevaux qui sont ici, il y a de l'écologie qui flotte dans l'air. Oh bah, c'est de l'écologie qui revient d'avant. Mais c'est peut-être peut-être un peu égaré à un moment donné, on revient à des valeurs. Mais c'est des bonnes choses, faut pas oublier ça. Non, on est bien d'accord. En tout cas, merci d'être là. En tout cas. Et dites à tout le monde que c'est une belle fête. Eh bien, on l'a déjà dit, merci en tout cas à vous, monsieur le maire, d'être avec nous ici. On salue le président également d'Annecy Tradition, également avec les équipes qui sont à vos côtés. Bravo en tout cas. Un magnifique calèche, dites donc. C'est le plus beau. Et je suis d'Angleterre. Vous êtes D'Angleterre. Hey. De la ville... Cheltenham, bien sûr. Cheltenham. Voilà. Eh bien, écoutez, un carrosse royal. Et on a une pensée, évidemment, pour la reine, évidemment, mais on sait que c'est un pays ami. Et c'est un jour d'amitié aujourd'hui. On a vu les Allemands, on voit les Anglais, on a vu des Italiens, on voit la France toute rassemblée. Oui, oui. C'est ça qui est beau. Voilà. Un président.
Oui, très bien, très belle journée, magnifique fête. C'est vraiment, on est tous heureux. Vraiment, très on entend les cloches du Big Ben. Voilà, oui. C'est pas Big Ben, c'est Notre-Dame. Voilà, c'est Notre-Dame. Bien d'accord. Allez, bon voyage. Bon, à bientôt et merci encore de nous avoir répondu. Voilà, c'était le carrosse présidentiel, le groupe Gergovia. J'espère que la liaison est revenue, qu'on nous le dise si c'est gentil. Merci. Bravo NC Tradition. Et vous êtes bien magnifique. Bien, bien. Magnifique. Bien. J'espère que tout le monde est content. Ouais, c'est super, regarde-moi ça. Il y a une belle, beaucoup de monde, voilà. C'est très bien. Là, on entend les cloches qui sonnent. Voilà, c'est pas... Big Ben, c'est Notre-Dame. C'est pas l'Angelus. C'est pas midi. Non. Et puis l'Angelus, ça nous rapprochait de l'apéritif. Voilà, c'est pas encore l'heure. Voilà. C'est pas encore l'heure. Mais... Bravo à toutes tes équipes. Hein. Bah, merci beaucoup, et puis bon courage à vous. Bah, bien sûr, hein, on va y arriver. Regarde-moi ça, c'est vraiment un bon moment ici. On est bien ici dans Annecy. On entend les cloches qui sonnent. C'est ça. Jeanne, c'est ça. Yeah. Allez-moi ça. C'est pas les plus belles. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, vous venez d'où exactement vous ? De Montbrison, dans la Loire. Bien sûr qu'on connaît Montbrison. Le plus beau marché de France. Exactement. La Fourme, qui a eu lieu la semaine dernière. Oui. Voilà. D'être venu jusqu'ici. Merci. Vous êtes des beaux belles ambassadrices, en tout cas de votre région. Merci beaucoup. Région d'ailleurs de patrimoine aussi là-bas chez vous. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le groupe qui défile. Hein. Voilà, c'est ça. Le groupe Gergovia. Gergovia, évidemment. Hey, c'est pas de tonne, hein. C'est pas de tonne, ça. Même en patois. Même en patois. Merci en tout cas. Rien. Dites donc, alors, c'est quoi ces instruments qu'on voit ici là? C'est quoi cet instrument? C'est une viole là, à roue. Viola Roux, le groupe Gergovia. Johan, j'ai peur qu'il y ait la batterie éventuellement. On va peut-être laisser passer davantage les animaux pour bien s'assurer de les avoir dans la boîte à image. Hein, on ne va pas être mal ici, d'accord? Et donc là, on entend les cloches qui sonnent de Notre-Dame derrière nous, avec ce moment un peu particulier, un peu magique, hein, toujours, avec beaucoup de monde ici. On va laisser passer le petit groupe ici pour s'assurer de l'image. Avec une bonne liaison ici. Voilà, super. Ben bravo. Vous êtes accueillis comme la reine d'Angleterre, enfin le roi d'Angleterre. Exactement, hein. On a les cloches qui sonnent. C'est magnifique. En tout cas, bravo. Super. On appelle bien le groupe Gergovia de Montbrison. Et ils sont venus ici avec leur tenue, leur talent et leur viol à roue, comme ils l'appellent. Avec les accordéonistes et leur tenue. Ah bah la danse. Voilà. Ouais. Voilà. Avec une ambiance bien particulière avec les cloches qui sonnent ici. Toujours aussi magnifique ici avec ce... C'est génial, hein. Là, il y a... Là, c'est la totale, Antoine. Ah, magnifique, la magnifique. C'est, une synchronisation. On a les frissons. Ouais, moi aussi. Public, écoute, ça me fait chialer. Mais je comprends, voilà, l'organisateur et toutes ses équipes, l'émotion nous étreint. Oui. Eh bien, je comprends et c'est un bon moment à vivre. Et là, même bravo. La météo nous donne un... Regarde le soleil. Magnifique. Et voilà, c'est un cadeau du ciel aussi qui nous est fait. Merci, Antoine, bravo encore. Merci à ton équipe d'être là. T'en prie, c'est de la sensibilité.
Et c'est du cœur qui fait marcher les affaires comme ça. Il y a intérêt. Pour la c'est gratuit, c'est populaire, c'est ultra populaire. C'est gratuit. Merci Antoine. Merci Antoine. On va... Bah tiens, il y a le deuxième carrosse présidentiel avec... ici. Ah. Un petit coucou passage. On va faire un petit coucou passage. Voilà. Alors on a une estimation du public, Antoine, estimation. Alors je sais pas, j'aurai des photos aériennes un peu plus tard, mais à mon avis on dépasse les 50 000 une fois de plus. Largement. Attention, de l'autre côté, voilà. Voilà, le carrosse présidentiel. Ici, un deuxième carrosse royal avec bonjour, les sénateurs à nos côtés. Comment tu vas? Bonjour. Et la France est belle. Nos élus sont par ici, Véronique ici, Frédéric ici, et à Bressé-Antoine, c'est ça hein? Voilà, et puis Catherine. Voilà, mais écoutez, c'est la France qui se rassemble, c'est la France qui aime les choses, les belles choses. C'est une belle fête pour Annecy, pour notre agriculture au Savoyarde. Absolument. Et c'est une rencontre. Et on a besoin de rencontres en ce moment. Voilà, faut... Plus que d'opposer les... Voilà. Les secteurs économiques. Et voilà, donc c'est une très belle fête. On a besoin de nos amis parlementaires ici. Merci aux bénévoles qui sont là. L'image de la France ici. Absolument, on est tous rassemblés, on fait la fête ensemble pour le retour des alpages. Eh ben c'est beau, en tout cas, continuez comme ça. C'est comme ça qu'on veut la France de demain. Merci encore, bravo, bravo, en tout cas, Annecy. Merci, en tout cas, vous laissez, puisqu'il va, il va avancer le cheval. Le carrosse presque royal ici est conduit par un connaisseur, dis donc. Hein. Ah là, il y va, lui. Hein. Super, voilà. Ben voilà, c'est ça aussi un message. C'est ça le message, c'est que c'est, ça, c'est vivre ensemble. Ouais. C'est vivre ensemble. Ah, regardez comme c'est beau ça, les bouviers bernois. Et le petit comme il est beau là-bas. Ah bah lui, lui tranquille. Hein. Oh dis donc. Après on aura les vaches un peu plus tard. Ouais, dis donc, on va voir. Bon dites donc alors, ils sont toujours là? Oui, on est toujours là. C'est magnifique. Oui, bien sûr, c'est super. C'est une sacrée image. Magnifique. Regardez, tout le monde regarde ici. Voilà, c'est très animaux. Enthousiaste. C'est super. Donc, c'est bien du bouvier bernois, c'est ça? Ce sont les bouviers bernois de l'association Babymum, oui. Exactement. Et on rappelle la capacité à tracter. Les... Et oui, regardez devant, avec le bébé. Ben, bravo, en tout cas, d'être là encore aujourd'hui. Et cette belle image, il y a des animaux qu'on aime et qu'on doit protéger. Bien sûr, c'est ce qu'on fait. Le faire. Ben, c'est ce que vous faites très bien, en tout cas. Merci à vous de nous avoir répondu. Bon défilé. Bientôt. Voilà, Johan, j'espère que ça se passe bien pour vous qui nous regardez en direct parce que c'est un petit peu chaloupé pour nous. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de monde, on est assez sollicité, on voit beaucoup de choses à voir. Et celui-ci là. Celui-ci, il est magnifique. Et celui-là. Bon, il mange pas que des croquettes celui-là. Oh oui, bien assez. C'est vrai. Oui. Combien par jour? 300 grammes le matin, 300 grammes le soir. Oh bah ça va, dis donc. Ça va. On peut le faire courir un peu. Non. Oh bah non, pourquoi? Et c'est un tempérament remarquable, ça. Il a son caractère, c'est comme son maître. Hein. Exactement. C'est comme son maître, mais ça qui est beau. Ah c'est ouais. Une belle image, en tout cas, des animaux à la maison. Et puis, un animal, ça se soigne, ça se protège. Et puis, oui, il faut prendre soin de sa santé, comme nous. Bien sûr, tout. Tout le monde. On veut que ça dure plus longtemps. Mais bien sûr. Bon défilé, merci encore. À bientôt. Voilà. Les bouviers bernois dans les rues d'Annecy, avec toujours beaucoup de monde. Bonjour, on va faire un petit plan Johan sur le public qui est ici à nos côtés. Super, bravo, voilà. Pour toi ça tient, ça va? Bah ouais. Les batteries, tout ça? Nickel. Ils tiennent? Ça va, ça tient, comme nous. on a commencé un petit peu à avoir soif. Ouais. Ça va être bon. La cascade, c'est magnifique, regardez-moi ça. La cascade, un hymne qu'on aime bien dans la place du village, Johan. Ah oui, on connaît par cœur. Hein. Avec une tenue particulière ici. Et voilà, d'abord, on va attendre encore d'autres membres du cortège, il faut le dire comme ça. Bon, vous allez bien? Comment ça se passe? C'est super! Oui, oui! C'est magnifique ici.
avec... Vous arrivez d'où? De Haute-Savoie. De quel coin? Oignon. Oignon, qu'on connaît bien, Oignon, du côté du Faucigny. Bien sûr. Eh bien, dites donc. Donc, un petit village qui s'appelle Oignon, et qu'on connaît parce qu'il est un village anciennement peuplé. Tout à fait, et c'est le village dans lequel le dernier clocher à bulbe a été construit en Haute-Savoie. On fait de l'histoire grâce à vous, c'est à Oignon et pas ailleurs. Exactement. Voilà. Est-ce que l'hiver sera rude? J'espère. C'est-à-dire que si les pures d'oignons sont épaisses, l'hiver est rude. Oui, c'est ça. Mais j'espère qu'il sera très rude. Oui, vous pourrez. Voilà, il y a des Savoyards qui arrivent. C'est le département de l'Ain déjà, Johan, tu vois. On les a rencontrés. Oui. À Châtel. Châtel. Ouais. Et ouais. Cette année, belle dimanche. Donc ça veut dire que vous aimez être ici. Ah oui, c'est des. Et vous êtes jeune, vous aimez être ici. Ça c'est bien. Il faut le garder. Il faut le garder. Il faut les conserver les traditions. Eh ben, un grand bonjour à nos amis de là, depuis la nuit également. Continuez à revenir. Voilà. On arrive pas, on attend les vaches avec impatience. Ah ben c'est gentil de nous regarder, vous voyez, c'est ça notre griffe, c'est ça. C'est les choses simples, c'est l'art de vivre, c'est la qualité de vie, c'est les vaches. Et c'est la campagne, et c'est la valeur qu'on nous porte. Là on est là, on est là. Ah, Johan, il est bien, là. Oui. De notre élément, on peut dire. On se promène. C'est le élément, hein. Voilà. Ah, plus de son de micro. Ouais. Pourtant, ça marche. Ouais. OK. Alors, merci à vous, en tout cas. Merci. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est décrocher du micro, s'il y a un petit son. Et puis, on prend son ambiance. Et j'ai mon oreillette. J'ai mon oreillette. Comme tu veux. On va regarder ça tout de suite. L'idée, c'est qu'on puisse filmer maintenant peut-être les vaches qui vont arriver, Johan. Ouais. On est en direct dans la place du village. Eh bien oui, c'est les appels de par ici. Ici, nous sommes ici, voilà, ici en direct. Voilà, nous sommes dans. Il m'a piqué au micro. Ça, c'est un petit plaisir, ça. On a grand soif, nous. On a vraiment grand soif, hein. Ils vont prendre le micro. Pourtant, ça marche. Ça marche encore. Bah ouais. Bah, dites-nous si le son fonctionne encore. Je pense que c'est le réseau qui... Voilà. Merci, à vous, bonne journée. Merci. Pour nous, le plus beau village du monde. Avec mon bel qui vous appelle. La jeunesse, c'est ce que c'est la jeunesse. Non. C'est les garçons. C'est les gars qui font ça, c'est eux qui sont. Merci de cette magnifique tenue qui vient d'où? Ça, c'est l'origine de Cordon. Ouais, avec de... Voilà, tout à fait. Bah, c'est formidable, regardez-moi ça. Merci, bon défilé à vous en tout cas. Cordon, avec nous dans la place du village ici aujourd'hui, à Annecy, la descente des alpages. Mais quel bonheur. C'est formidable. Et le beau temps qui revient en plus. Johan, le son est bon cette fois-ci? Non. Apparemment non. Moi oui, mais ouais. Ça va. Allez, ça donne. De... Regardez. Tiens, viens, on va passer de ce côté. On va se défiler. Le son revient. Le son revient. Merci Philippe, à distance, il nous fait la gifle. Le micro sature. Ah, ça sature de partout. Magnifique. Il a de la voix. C'est l'applaudimètre. C'est ça, là, il a fait péter les applaudimètres. Absolument incroyable. Ça, c'est magnifique. Voilà le groupe de Cordon qui vient de nous quitter maintenant. Avec ses pas de danse, hein. Ici on voit les femmes évidemment avec leur tenue remarquable, les hommes ici
Et c'est danse avec les... C'est mieux que danse avec les stars, dis donc. Ah, tout à fait, ouais. Ouais. On se régale. On se régale. Voilà, on va attendre le... la clique d'Aoste, Johan. C'est le Val d'Aoste qui va nous rejoindre. C'est possible. Merci à vous. Prends l'oreillette. Filez, filez. Ça arrête pas de bugger. Le mien aussi bug. Non, on n'a pas de bol. Hein. Encore la batterie 20%. On va peut-être s'avancer pour les vaches. Voilà. On va avancer sur les vaches. Parce que les vaches, elles sont dernières. Les vaches, elles sont à la fin. Oui.
les Saint-Foin avec nous dans la place du village ici. Et magnifique avec l'accordéon. Et toujours la bonne humeur, ça c'est formidable. On va saluer tout le groupe. Ça va. Ça se passe bien, dis donc. Ouais. Là on est heureux aujourd'hui. Hein. On est heureux. Allez, comme ça. Les Saint-Foin qu'on connaît bien. Mimi Pauillac, passer des soirées avec elle, on s'en rappelle. Et c'était un bonheur de les avoir avec nous. On va décrocher Johan pour bien voir les animaux. Hein. Bravo les gars, à bientôt, hein, on se retrouve bientôt. À très bientôt. Bientôt. Merci beaucoup. Allez Maurice. On va décrocher un tout petit peu pour laisser passer les animaux. Ah, il est le meilleur lui. Ah, c'est le meilleur lui. Alors le facteur, il est où là? Chaque année, ça a dû être une souffrance. Oui, mais tu fais un beau numéro, oh, c'est extraordinaire, ouais. Franchement. Prends mon c'est pied. Une belle équipe. Salut. Ah, et ça va, pas fatigué encore? Oh, ça va, ça commence. Le même vélo en plus, hein, ça fait 50 ans le vélo. Et malheureusement, le même bonhomme. Mais il change pas le bonhomme, il a les joues tout rouges. Aussi. Vous allez bien, mes chéris? Bien, ça va bien, dis donc. Ah. Bien content de te voir. Ben nous, alors. On se rappelle de tes bonnes blagues sur la boyauderie de Seineau. Ça rappelle, on avait fait un 1er avril avec vous. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Exceptionnel. Oh, ben, bravo les Marcel Mazout, en tout cas, t'es là à titre perso aujourd'hui. Hein. Ah bah bien sûr. Bien sûr. Non, voilà. Je représente les amis du vieux Seineau. Exactement, on voilà. Est bien d'accord. Et ben c'est parfait. Voilà. Ben, porte-toi bien et rattrape le peloton. Et c'est toujours un plaisir de retrouver. Ben, c'est gentil comme tout. Merci à toi en tout cas. Voilà. Rien de vous voir. Ça me suffirait, j'arrêterai tout. Rien que de vous voir. Repars un peu. Ma vie est comblée. On part un peu en faisant un peu le fou là. Allez, on va bisous. Le filmer en faisant le fou là. C'est ça, la descente des Alpes, c'est imprévu. C'est très tendu et c'est des moments comme ça pour agir. On va laisser décrocher Johan. Tout à fait. On va laisser faire le saut. On va laisser décrocher par le rocher ici. Alors ça c'est. Le son est revenu nickel. Le groupe folklorique du pays de Bresse. Le Bourg-en-Bresse. Avec, on les reconnaît ici, le viol ici, avec l'accordéon. Avec leur tenue, on va se faire décrocher ouais, pour bien filmer les. Hein. Voilà, bravo en tout cas. Les Bressans. Est-ce qu'ils ont encore le ventre jaune, les Bressans? Toujours, ouais. pas le temps de me déshabiller. On va pas le montrer, ouais, pas le moment. Bravo en tout cas à vous, belle tenue. Merci. Beau numéro. Et revenez quand vous voulez, hein. Vous êtes chez vous. Chaque année. C'est bien, merci beaucoup d'être là encore aujourd'hui. Le groupe, on admire les tenues, les sabots. Magnifique ici, avec des tenues remarquables. Et puis la coiffe ici, ça c'est magnifique. Et puis toujours le sourire. Et le public toujours à mes côtés, ici à nos côtés. On va attendre les vaches. Bravo, super. Bravo. Salut. Comment tu vas? T'as bien, ouais. Un petit tradition, on les retrouve ici. La brigade de Savoie qu'on ne présente plus, évidemment. Avec les tenues haut en couleur ici. Bravo, belle tenue, mets-moi ça ici, en armes. Tenue officielle évidemment, ici, les fils. Et le capo, c'est le chef. Ah, c'est le chef. Ouais. Et le capo, comment ça va, chef? Ah, bonjour. Comment ça va, dis donc? Ça va bien. Ça va bien, oui. Oui, il y a du monde, hein. Bon, ouais, mais il fait chaud. C'est chaud dessous, hein. Ouais, il fait chaud. On rappelle un petit peu le sens de votre groupe ici. Ben, on représente, donc, c'est la brigade de Savoie, c'est une unité combattante, voilà. Avant 1860. Absolument. Voilà. Ben bravo pour la mémoire et pour le souvenir. Merci à vous, bientôt. À bientôt. Merci Harvey, ben merci encore. Voilà, là c'est les corps des Alpes qui arrivent maintenant. On les connaît aussi. Un petit coucou là-bas. Ouais, faire signe.
Dans un petit point sur les gens qui nous... En direct dans la place du village, merci. Ce petit signal sympa, ils sont très nombreux les gens. Merci beaucoup. Voici les corps des Alpes, ici. On va laisser défiler. Voilà. Salut! Ça vient toi? Les gars de Nana, super! Ah oui. Le Nana. Super, bravo! Le corps des Alpes, c'est Nindaz! Eh oui! Ah, on n'y change pas! Mais aujourd'hui, c'est à Annecy le temps! C'est à Annecy le temps, aujourd'hui, Annecy! Bravo encore pour le talent, bravo pour la qualité de vos prestations! Merci de votre accueil surtout! Ben, regardez, c'est magnifique! Regardez le monde qu'il y a ici, c'est formidable! Avec tout ce peuple! Merci à toi! À bientôt! À bientôt! Il reste 10%. Ok! Alors on va laisser, on va avancer puisque Johan qui est à la caméra me dit qu'il reste 10%, on va laisser filer les... Salut, salut, eh oh! Voilà, donc on vous explique, la batterie descend, donc on n'a pas vu les vaches, donc on va attendre un petit peu que les vaches arrivent. Voilà, bientôt une heure. Encore un magnifique... chien Saint-Bernard ici, avec les moines, voilà. Ah bien dis donc, bravo pour la tenue, c'est superbe, ah bravo, superbe, donc c'est le Saint-Bernard, c'est ça hein. Ça c'est le Saint-Bernard, ouais. Il est là-bas si vous voulez. Il est où le grand chef? C'est celui qui est en bleu. C'est celui qui est en bleu, avec le blouson beige. Merci messieurs de cette tenue, et de ce travail fait pour la défense de la race unique. Des Saint-Bernard. C'est unique le Saint-Bernard. Pascal. On va voir. Monsieur de Paris, merci, merci. Bonjour, deux mots, juste Saint-Bernard. Oui, bonjour. C'est un chien magique. C'est le plus beau chien du monde, en fait, bien voilà. Sûr. Et puis, il a un caractère, un bon chien de canapé. Absolument. Qui est toujours prêt à rendre service. Voilà. Puis, il mange un petit peu, c'est tout. Un tout petit peu, ouais. Pour deux, trois tartiflettes, ça le fait. Merci, on vous laisse passer parce que. Merci, oui. Merci beaucoup, à bientôt. Donc là, si je me trompe bien, si je me trompe pas, on est sur les sonneurs. On est sur les sonneurs de Poisy. Sonneur de Poisy. Merci. Ouais, des fois quand des gens. C'est là. Non, ça bouffe. Hein. Voilà, les sonneurs de Poisy, on a de la batterie. Merci d'avoir apporté de la batterie, c'est super sympa parce qu'on était un petit peu. Ouais. Tu peux. Les sonneurs de Poisy, ils sont là avec là, j'ai oublié. Spécifique. Tenue magnifique, formidable ici, on va y suivre un tout petit peu. Bravo, dites donc alors là, mais... Pour les papilles. Mais oui, il faut le dire aussi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il nous reste un fort. On sera demain à Poisy aussi. Eh bien, écoutez, demain à Poisy, à la fête du village, demain à Poisy. Voilà. Donc on pense directement là, Johan. Hein. Ouais. Mais d'accord, voilà. C'est demain à Poisy. C'est où, sur la place? Donc les sonneurs qu'on voit ici, demain à Poisy, sur la place du village à côté d'Annecy, pour la fête. Très bien, merci beaucoup. Super. Ah bah ouais. Bon, Johan, on fait le point, parce que là, on va attendre les vaches, maintenant c'est le... Ah, le pas bien loin. Final. Pas bien loin. Hein, c'est pas bon loin, là. Oui. Batterie, un savon, batterie, un savon. Heureusement, ouais. On va remercier mes petits camarades, c'est comment ton prénom? C'est Mickaël. Mickaël. Ah, c'est sympa. Donc je vais parler assez près ici. Il va commencer à faire soif, vous dites Sébastien. Sébastien là. Oui. Alors, c'est pas que ça commence, c'est qu'il y a déjà un bout de temps qu'on a soif. Mais c'est pas grave, après on ira dans un petit bistrot, boire une bonne bière. Et là on va bien montrer le public, tu as vu. Le public est ici, toujours aussi impressionnant. Là on peut estimer, alors je sais pas, plus de 50 000 personnes en tout, je n'ai pas compté. Mais c'est toujours impressionnant avec les petits enfants qui sont là-bas, mais dur parce que au premier rang, les enfants, c'est sur les enfants. Voilà, super. Bravo. La Gienne. Le garde champêtre. Le garde champêtre, Johan. Bravo.
L'écho des montagnes d'Annecy, tranquillement ici. Bah, ils attendent. On va y arriver. Hein. Et après les vaches. Ah, restez encore avec nous, c'est sympa d'être avec nous. Pas trop. Donc, l'oreillette, on va la remettre dans 2 minutes, on va recharger la batterie. Voilà. Pour l'instant, on va parler pas loin du micro, je pense que ça doit marcher, je pense que le son oui. Ici. Hein. Voilà. Mais on va surtout laisser l'image. Il faut laisser vivre, Johan. Maintenant, ouais. Je vais arrêter de causer un peu. On va laisser vivre les scènes ici, l'écho des montagnes. Avec les canicules, c'est magnifique. Bravo. Bravo mesdames, c'est magnifique, c'est superbe. Il y a quoi dans le panier? Bien sûr, mais c'est bien. Il y a quoi, des œufs? Des œufs, il y a quoi? Non, il y a le coucou des mariés, ah, la marraine de la mariée, et il y a le coucou des mariés. Très bien, bah comme ça, voilà. On va laisser dedans. Merci en tout cas, bravo à l'écho des montagnes. Merci. Bravo, bon défilé. Bon défilé, merci. Voilà, c'était... Oui, c'est de la musique. La petite cloche qui va avec. Vive la mariée. Ouais, vive la mariée. Vive la mariée, merci. Bonjour. Eh, bonjour. C'est toujours aussi magnifique. Ça change pas. Toujours aussi magnifique. C'est bien, c'est bien. Voilà. Bravo en tout cas, une magnifique tenue. Bah Johan, bah oui. J'espère qu'on entend encore un petit peu. Il y a une petite pause pour l'instant, on va garder l'antenne. Ouais. Et puis on va attendre les vaches, elles sont pas tardées d'arriver. C'est un peu plus molle. Elles sont bah oui, un peu plus loin. Parce que, attends, elles sont bien, plus loin. Le parcours fait 2,5 km, on rappelle. L'an prochain, c'est les 50 ans ouais. De la descente des alpages. Sûr. Donc il y aura encore plus de monde. Il y a 50 ans. Il y a 50 ans et c'est une belle histoire. D'amour entre le public qui vient à Annecy, mais qui connaît aussi la montagne, et puis qui aime les traditions. Ben, c'est la démonstration qu'en France, vous voyez, on a vu toute la région de France qui vient ici. Tradition, il faut les préserver, celle de la montagne, des campagnes, celle qu'on aime, et on attend le corps des Alpes qu'on voit là-bas, Johan, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. On le voit. On les voit arriver. Dans un instant, les vaches, les tarines, les Montbéliardes, les abondances. Abondances. Ouais, les ânes aussi. Les ânes. Les moutons. Moutons. Ah oui, les moutons oies. De Jean-Luc Carpel. Pas les oies, puisque aujourd'hui. Ah, il n'y a pas les oies. Non, à cause de la grippe aviaire. Ah. Donc on dit bien. Bon à savoir. Il ouais. N'y a pas les oies de la grippe aviaire. Voilà, ça c'est. Alors ça c'est le corps des Alpes du groupe local d'Annecy, si je ne m'abuse. Il va y avoir Jean-Noël Place dans le groupe, que je reconnais de loin là-bas. On va voir un petit peu ce qui se passe. Le public hein, qui est présent, toujours nombreux ici. Hein. Alors on est dans la rue de. Je ne sais pas trop quoi ici on est exactement. On est un peu perdu, Johan. Ouais, on attend. Voilà. On attend la suite. On attend la suite, ça arrive tout de suite, ne hein, vous inquiétez pas. Ça arrive, on a dû changer pour les batteries, hein. Ça dure assez longtemps. Ça fait déjà 1h15. Et on joue un morceau, est-ce qu'on s'en approche un peu, Johan, non? Allez, on peut le on faire. Va en profiter. Voilà. On va y arriver. Voilà, nos amis. Bon, dites donc, bravo les gars, super. Les ânes. À bientôt. Là, on va voir arriver les ânes. Ils viennent pas, je crois, ils viennent pas de la Savoie. Bonjour, vous arrivez d'où? Les Antianes. Caraval. Ah bah. Oui, oui. Donc c'est bien de la Savoie, Johan. Pointe chez toi. De la Haute-Savoie. Non.
Alors là, bravo Yves-No. Et ça, c'est une belle soupeur du nom. Ça va, ils sont pas trop bien trouvés, ça va. L'âne, il est costaud. Oui, oui, l'âne, il a envie de marcher. Il les faut marcher. L'âne de Serraval, c'est ça? De Cerréval, le groupe L'Agenciane. Ouais. Haute-Savoie. Voilà. Haute-Savoie. Alors, on attend les vaches. On ne sait pas où elles sont, mais elles arrivent bientôt. Ils se sont un petit peu écartés. Ils sont derrière. Ah, tout seul avec son âne. Yvan, ça va toi? Ouais. Ça va bien, hein? Une petite heure et quart de direct déjà. Regardez, c'est bien de faire ça. Si on essaie de le faire dans les conditions du direct, c'est pas toujours facile. Bravo! Allez, vous, comment il s'appelle? Cadichon, c'est Cadichon, c'est comme le symbole là. Voilà, c'est. Alors là, il n'est pas du tout bête, comme on peut dire parfois. Non. Absolument pas. Non. Un peu. S'il ne comprend pas, il s'arrête. Alors on peut partir du coutume, c'est quand même. Exactement. On explique bien pour que ceux qui entendent bien ce qu'on a dit, il est peut-être têtu parfois, mais il comprend toujours les choses. Hein, c'est ça. À peu près, ouais. Il faut lui parler comme il faut. Comme il faut. Voilà. Et c'est ça qui est dur. C'est ça qui est difficile. Il faut parler la même langue. Il faut parler la même langue. Ben voilà, à bon âne, bon maître. Oui, c'est ça. Merci en tout cas, bravo, voilà. Cette belle image, à Cadichon. Merci beaucoup. C'est marrant. Encore un autre. Encore un autre âne. Je crois qu'il va y aller celui-là. Il y a beaucoup d'enfants d'ailleurs qui sont présents ici au premier rang. Parce que pour eux, c'est un peu l'émerveillement aussi de voir des animaux qu'on n'a pas forcément vus. Et que voilà, la Savoie qui arrive ici, de Bourg-Saint-Maurice. Exactement. La Tarentaise qui nous rejoint, qui descend à la ville. C'est la Savoie qui vient aux portes de la ville d'Annecy ici. Les Tarins avec nous. Magnifique, les enfants ici avec le... Bravo, dites-donc, nos amis savoyards qui viennent de Bourg-Saint-Maurice, c'est ça? Tout à fait. Essayez de rappeler aussi, Johan, que c'est la montagne là-bas. C'est un vrai sport national. Tout à fait, surtout dans les Alpes. Absolument. Ben, merci d'être venu jusqu'à Annecy, c'est bien, c'est super sympa. Avec plaisir. Eh bien, continuez bien, on ira vous revoir là-haut dans la montagne. Voilà, le violon, évidemment, c'est une tradition de nos montagnes. Voilà. On va laisser passer ici comme ça. Quelle place du village hein. Non, c'est génial, c'est génial. Bravo, bravo à vous, vous êtes formidable. Vous êtes formidable, vous êtes formidable. C'est bien, bravo. Voilà. Alors là, on retrouve les amis du vieux Sénat qui vont lancer de la paille. Allez, allez. Ça va? Ça vient toi? Il n'est pas toujours. Non, c'est du lac 54. Et la batteuse, elle est d'amis de la mémo pour la mémé. La mémo pour la mémé. Ça, c'est une batteuse. Et voilà la paille qui nous tombe dessus, c'est pas direct. Voilà, la batteuse qui fonctionne tous les amis. C'est Attention, les enfants, les animaux arrivent. On a bien compris. Et voilà, ça c'est l'école, c'est la mission à vivre dans l'air. On va les moutons, ça c'est un succès énorme. C'est formidable. Oui. Ça vient de quoi ce succès? C'est bien. Ils se promenaient en ville. Ça le succès. Les gens aiment ça, les enfants sont là derrière, regarde ça. Ils sont émerveillés. Il est nous, là, il y a la vallée du Zarabi. Oui, voilà. On va descendre, je vais vous donner tout le monde. Ah bah,
C'est vrai, parce que là-haut, il y en a encore. Bravo, bien fait. Bravo, bien fait. Bravo, c'est bien fait. Une filière complète, on connaît la question Loulou. Hein, tout à fait, tout à fait. Là, il n'y a pas de nous ici. On nous a dit qu'il y avait des rats à Annecy, alors qu'ils allaient descendre les loups pour manger les rats sur Annecy. Comme ça, au moins, ils auront à manger. Ben, voilà, ils auront à manger. Ils vont... Bravo à toutes les équipes. Voilà. Ils sont actifs sur les franchises. Ok, merci à tout le monde. Bonne journée, bonne journée. Bonne image. Ça ressemble derrière nous, Johan. Le propriétaire, c'est bien sûr zéro loup, on le dit bien. Alors, c'est une question qui va remonter à vos lieux, j'imagine. Oui, parce que le politique, c'est pas qu'à la communauté. Donc, je pense qu'on le sait bien, parce que c'est pas qu'une manifestation, on dirait que c'est un savoir, puisque tous les pays de montagne qui sont affectés par le loup, parce que, pour le moment, on ne va pas monter à côté sur les élus qui nous présentent. Le loup, c'est le vice-président en train d'aller carrière NR, mais c'est tellement incompatible avec le personnel. Voilà, vous avez passé, merci, mon loup. Merci. Et bravo encore pour le travail qui est fait avec amour, avec ses animaux. Merci. Merci à tous, à bientôt. Voilà, la vedette du jour est là aussi. C'est lui, c'est là, c'est dans le désert. Vraiment, Jean-Noël, ça fait plaisir. Vraiment, tu vois. Toi, tu peux voir ton esprit, là. Ils sont interdits, les familles. Bravo. À bientôt. Voilà, c'était un peu la vedette du jour. Ça, c'est l'image qui est là. Le gars avec du lac. Voilà, la gamine est là. Ouais, la gamine est là. Là, la gamine est là. Ouais, la gamine est là. Ouais, normalement, ça devient plus gentil, mais ça va plus gentil. Ça va plus gentil. Ça va plus gentil. Ouais, ça va plus gentil. Bravo aux jeunes agriculteurs. On salue au passage, Johan, les jeunes agriculteurs. On sent l'oreillette, non ? On va la remettre. On a changé un petit peu, là. On va tout finir. Ouais. Voilà, le son revient. Désolé parce qu'on avait une panne de batterie, donc on a dû passer par un mode de recharge qui a coupé le son, mais maintenant c'est revenu. Là vous allez entendre le son des vaches, on a vu les abondances sous le tarine. Ici. Ouais. Ok, ok. Elle vient d'où cette tarine ? Entre Verne. Ah, avec le Bourjal. On va le saluer, garde du bon. Bravo, du gars. Bravo, Dino. Bravo, jeunes agriculteurs. C'est important de le signaler qu'ils font un gros boulot ici. Voilà. On a vu les abondances, les tarines. Voici cette fois-ci les.
Mandelgard. Bonjour. Elle vient de la place du village. Elle vient d'où celle-ci? De Faverges. J'y ai. Faverges. Ah ouais, mais exactement. On s'est déjà vu. Exactement. Bravo. Bravo aux jeunes agriculteurs qui font un gros boulot. C'est pas facile, mais vous faites un super boulot. Eh ben merci, c'est gentil. Et merci à vous de le montrer. Ben, on le montrera. Eh ben merci, c'est gentil. Merci en tout cas, bravo, super. Voilà, attention, Johan les vaches, elles arrivent ici. Voilà, donc le défilé continue. En espérant qu'on ait encore un peu de batterie, désolé. Un petit peu chaloupé, mais on va y arriver, voilà. Voilà, une qui monte sur l'autre là-bas. L'agriculture au féminin, c'est ça, hein? Oui. Ah, ça c'est sympa. Donc les femmes ont leur place dans l'agriculture. Oui, bah bien sûr. Et plus que jamais même. Bah elles l'ont toujours eu, elles l'auront toujours. Ouais, mais elles l'ont parce qu'elles ont un œil différent. Bah pas forcément, mais elles ont. On pense à la progéniture, on pense aux petits jeunes, on pense à notre santé, nos assiettes. Exactement. Voilà, l'avenir il est là. Vous habitez où? À Hauteville-sur-Fière. Ah, Hauteville-sur-Fière, le gars qui s'appelle? ERL. ERL qui s'appelle? Clément. Eh ben on le salue au passage. Voilà, super. Bah, bravo en tout cas. L'agriculture au féminin. Ah, les petits veaux qui vont bientôt clore le défilé. Ici, les petits veaux, toujours un gros succès, Johan. Ah oui, tout le temps. Ah, les petits veaux, ça marche. Hein. Ouais. Voilà. Le petit bonhomme qui nous regarde ici au premier plan. C'est une belle journée. Hein. Ça se passe bien, ça va? C'était un beau défilé. Hein. Sensationnel, c'était une fête exceptionnelle. Absolument. Avec Yves Bastard, le patron depuis 60 ans. Voilà, on a vu tout à l'heure sur la, il était devant. Là, devant, exactement. Il est très Yves heureux. Bastard, on va le resaluer avec ses équipes aujourd'hui, parce que vous êtes nombreux à travailler autour et réussir une fois de plus dans les alpages. Et au total, nous sommes 67 avec les extras. On les salue tous. 67 personnes, c'était une réussite. Et c'est nickel, regardez-moi ça. Le beau temps est venu. Un monde exceptionnel, tous les gens applaudissent. C'est génial. Le monde est heureux, surtout après ces deux années maudites, voilà. Entre guillemets, de voilà. Covid. Et maintenant, tout le monde renaît. On renaît, il l'a dit justement, c'est le bonheur ici qu'on a dans les rues d'Annecy et on va le garder pour très longtemps. Le maximum. Le maximum, dans la boîte à images. Et merci. Merci en tout cas, Annecy Tradition, d'être là et d'avoir fait un superbe travail. On sera l'année prochaine pour les 50 ans l'année prochaine. Et nous sommes prêts à recommencer le plus longtemps possible. Et ben on sera là avec une vous. Fête et magnifique. On vous le c'est magnifique, c'est magique. Allez, moi, ça, c'est le petit gamin. Et merci ici. Encore à notre président qui est exceptionnel. Yves Bastard qui fait un travail extraordinaire. Exceptionnel. Et qui est un vrai de vrai. On lui dira jamais suffisamment. Absolument. Bon, on l'aura dit en fin de défilé, mais on l'aura dit quand même. C'est la vérité. Eh ben c'est bravo, dis donc. Bravo. Bravo, merci encore. Bravo à lui. Et bravo à les équipes, à toi également. Hein. Bravo. Voilà. Alors, on va laisser passer le petit veau ici. Il y a encore des vaches, Johan. Il y en a encore, ouais. Bravo! Salut! Ouais, ça va mettre là, c'est magnifique! Quel spectacle incroyable! C'est magnifique ce spectacle! Ben, je suis très heureux que vous l'appréciez! Oh, ben tout le monde l'apprécie! Regardez-moi les yeux des enfants et des grands! Et la météo, elle est de la partie! Génial! Aussi. Elle est pour nous! Et puis des tenues comme ça, c'est formidable! Très bien! Elles viennent d'où ces vaches? Alors, elles viennent de Saint-Martin-Bellevue et ouais. Sur un alpage de Larieux. Larieux, qu'on connaît, Larieux, évidemment. Et puis, vous leur avez mis des petites tenues spéciales aujourd'hui. Oui. Bien, bravo en tout cas. Superbe. Merci encore aux vaches ici, Johan, parce que ça m'entend. Les quatre dernières. Voilà. Ça, c'est la fin. Dernières. C'est la fin du défilé. Merci d'avoir. Alors, c'est pas fini, encore quatre. Et puis. Bravo les jeunes. Ça n'avait plus, elle. On peut la pousser. Ah oui, elle a envie, hein. Parce que là, c'est pas son. Voilà. Ben voilà, merci encore à vous, bravo. Elles viennent d'où ces vaches exactement? Quel la chapelle Saint-Maurice. Bien sûr, la chapelle Saint-Maurice. Très bien, bravo en tout cas. Voilà, on va terminer. Johan, on va donc. Il y a un peu de boue sur la route, c'est normal. Demain, ça va être balayé tout ça. Ça va être tout propre, évidemment. Bon, la meilleure pour la fin. Hein. Bien sûr, vous êtes, c'est les meilleures celle-là. C'est la meilleure pour la fin. Ouais. Et elle avance plus guère, elle est un peu fatiguée. Bah, il y a une sorte d'alpage, c'est pour ça. Ah, bien sûr. Elle remonte ce soir ou bien? Ouais, ce soir, oui. Ah, bah, elle perd pas de temps, dis donc. Elle perd pas de temps. Merci en tout cas. Bravo. Merci beaucoup. Johan, on va se remettre à l'antenne 2 minutes.
pour saluer nos publics qui nous ont regardé jusqu'à présent. Et puis, bah, voilà, j'espère que ça passe bien. On est tous les deux. On est un peu trempés. Ce matin, Yoann, on a mis l'oreillette. Ouais. On a les cheveux un peu en travers. Un peu sportif. C'était une grosse journée parce qu'il y a beaucoup de monde cette année. Ouais. Règles de sécurité très strictes. Et puis beaucoup de défilés, beaucoup de dans le cortège. On a eu beaucoup de groupes folkloriques, beaucoup de vaches, beaucoup d'animaux. Hein. Il n'y avait pas les soies. Donc là, ça va se terminer pour Annecy. Il est quoi? Il est 17h, 16h. 16h02. 16h, on est parti à 14h30. 1h30. Ouais. Bah écoutez, on était ravis d'être avec vous dans le grand direct de la place du village ici avec le retour des alpages. 2 ans sans retour des alpages, un grand bravo aux organisateurs autour d'Yves Bastarossé et autour d'Antoine Carré qui ont fait un sacré boulot avec leurs équipes. Et puis on va peut-être aller voir encore une vache ou deux un peu de près parce que on s'en passe pas, Yoann, nous. Hein. On s'en lasse pas, nous. Bon, on en voit tous les jours. Moi, ça. Bonjour. Et ça, c'est sympa comme tout. Voilà. Là, on arrive sur la fin du défilé. Et les cloches, on aime bien les cloches. Ouais. On a placé du village, on va faire du monde là. On va arrêter ici. Voilà. Et ça va prendre fin comme ça. Bravo. Et bon repos cette nuit, hein. Bon repos, c'est pas simple. Hein. Bon, ben, on va peut-être boire une petite bière et puis on va donner rendez-vous à ceux qui nous regardent tous les jours. Voilà. Hein, Yoann, régulièrement. C'était un bonheur, le soleil est revenu. Beaucoup de monde, hein, plus de 50 000, c'est sûr, sur les bords des routes, mais aussi aux étages. C'est Annecy, Annecy la populaire, Annecy le monde agricole, Annecy les alpages, Annecy les montagnes. Et c'est une belle communion qu'on a vécue ensemble. Voilà, j'espère que le micro est bien, c'est bien passé, les petits aléas avec le, en particulier le, la batterie. Mais, ils avaient comme irait de batterie, Yoann. Bah, il n'y a plus, presque plus rien là. Il n'y a plus rien, ça a peut-être décroché ici. Voilà. Bon, on a peut-être temps de demander à quelqu'un éventuellement comment ça s'est passé, parce que là, il y a beaucoup de monde, il y a du choix. Hein. On va voir. Voilà, tiens, on va aller voir. Bon, comment ça s'est passé cette journée? Vous avez aimé, oui, hein? Oui, 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 beaucoup. Vous arrivez d'où, vous? Nous, on vient de Lyon. Eh bien, écoutez, les Lyonnais parmi nous. Et on reviendra avec plaisir. Eh bien, c'est gentil. Beaujolais. Beaujolais, quel coin du Beaujolais, quel coin du Beaujolais? Du côté de Lausanne, Chessy, Villefranche. Tout à fait. Voilà. Moi, je connais le Mont-Saint-Rigaud dans le Beaujolais. Le Mont-Saint-Rigaud. D'accord. Voilà, bah, écoutez, bravo. Mont-Saint-Rigaud, on le fait en vélo. Oui. Eh bien, moi aussi, j'ai fait le jour en vélo. J'ai fait en vélo le jour. Sincèrement, eh bien, c'est bien. Eh bien, nous, on ira boire du Beaujolais chez vous quand il sortira. Il sort quand, Beaujolais? Au mois de novembre. Bon, on va pas y rater. C'est le deuxième mardi de novembre. Jeudi. C'est un jeudi. Le troisième jeudi. Au troisième jeudi, vous voyez, à force d'en boire, on y perd. Merci à vous, en tout cas. On va saluer tous ceux qui nous ont regardé. Voilà, c'est terminé. Sur cette belle image ici avec le public. Hein, là, c'est un autre troupeau, là. C'est pas le même. Encore un troupeau, là. C'est pas le même troupeau. Mâcon est d'où? Le Mâcon même? Alors, Mâcon, il faut savoir que si c'est Mâcon, c'est aussi mon pays où je suis né. Oh, c'est pas vrai. Eh ben oui. Eh ben oui. Charnay-les-Mâcon, eh bien sûr, on connaît très bien Charnay-les-Mâcon. Les petits vins blancs. Mais bien sûr, les bons petits vins blancs, on connaît bien la côte du Mâconnais. Allez, faites-nous on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens. Eh ben écoutez, ça c'est un beau cadeau pour la fin de l'émission en direct depuis la place du village ici, depuis Annecy aujourd'hui. Ah ben, c'est merveilleux. Bon retour chez vous. Merci. Et promis qu'on ira voir chez vous, on n'ira pas que boire, on ira boire. Eh ben, j'espère avec modération, bien, évidemment. Très bon. Bravo, c'est une belle tradition là-bas. Très la frais, France est, très est bon. Un pays de grande tradition et de savoir-faire. Voilà. Il faut dire. Manger, bien boire. Vous rentrez ce soir? Tout à fait. Non, demain. Demain. Vous avez raison de passer une petite journée en famille, c'est ça? Bien sûr, avec les petits-enfants. Les petits-enfants. C'est une belle réunion. Merci à vous, les Mâconnais. Voilà, bah, Yoann, cette fois-ci, on va pouvoir se dire au revoir. Voilà. On va saluer. On va aller boire un petit coup parce qu'on a un peu soif. Et merci encore à Mickaël qui nous a dépanné. Hein. Et Mickaël, écoutez-moi, Mickaël. Viens, Mickaël. Voilà, Mickaël, parce que toute une équipe, hein, Mickaël, on l'a vu dans le groupe, il est venu nous rejoindre parce qu'il y a un problème de batterie, on vous explique comment ça marche, on y fait la bonne franquette et on essaye de vous offrir le meilleur spectacle. On va encore améliorer tout ça, Yoann, on a encore plein de possibilités, mais on y fait avec le cœur. Merci. Oui, merci à toi, Mickaël. Hein. Et avec plaisir. Bah, c'est gentil comme tout. Voilà, merci à toi, Yoann. Arvipo. On te retrouve lundi soir. Tout à fait, 19h. 19h. Comme d'hab. Avec la météo ensuite, mettez un petit peu l'antenne encore, mettez un petit peu l'antenne, vas-y. Voilà, Yoann. Voilà. On revoit, regardez-moi ça, c'est une belle équipe et. Toute l'équipe, hein. Il y avait Alain ce matin qui était en démontagnie à Tonon, il y en a d'autres qui sont en tournage également, et c'est une belle équipe, ben, on essaye de vous offrir comme ça comme on peut, avec le cœur, les traditions, les choses simples et les choses qu'on aime. Voilà. Un petit mot pour la sécurité, je vois en face là-bas la sécurité, on les a salués au début, ils nous ont beaucoup discuté avec eux, ils ont fait un gros travail, il y a les sapeurs-pompiers qu'il faut saluer également, il y a tous les dispositifs de secours, il n'y a eu aucun incident, aucun problème, comme quoi chacun est discipliné, les vaches, comme les invités, les vacanciers, les touristes et les habitants de la région. Tout à fait. Voilà. Voilà. Allez, Yoann, on se lâche. Bah, allez, Harvey. Harvey, regarde la télé, regarde la caméra. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir. Merci.